Dans cette vidéo, on va parler de l'ara bleu, également appelé ara bleu et jaune ou ara ararona. L'ara bleu est un grand perroquet du genre ara facilement reconnaissable aux couleurs de son plumage. C'est une espèce de perroquet appartenant à l'ordre des Psittaciformes et à la famille des Psittacidae. Cet oiseau est protégé par la Convention de Washington, annexe 2, et l'arrêté ministériel du 15 mai 1986 listant les espèces d'oiseaux protégées de Guyane. Il vit dans les plaines de la moitié nord de l'Amérique du Sud. L'ara bleu et jaune mesure environ 90 cm de longueur et pèse environ 1,3 kg, le dessus est bleu turquoise et le dessous jaune d'or, le front et la calotte sont bleu-vert. Les sous-caudales sont jaunes bleutées. Un collier noir est présent sous la face, les yeux sont jaunes, le bec et les pattes noires, la femelle est plus petite et plus claire que le mâle. L'ara bleu et jaune est une espèce protégée. Originaire d'Amazonie, l'oiseau lui-même et son habitat sont menacés. Ce grand perroquet affiche un tempérament enjoué et expressif. On apprécie également sa capacité à parler, ou plutôt à imiter notre langage. L'ara bleu vit principalement dans les forêts tropicales humides et sèches, ainsi que dans les plaines et savanes tropicales. En captivité, le caractère de l'ara bleu et jaune est souvent décrit comme joueur et attachant. Il est aussi réputé très bruyant et expressif. Il émet différentes sortes de cris et amuse par sa capacité à imiter le langage humain.
À l'instar des perroquets, les aras bleus sont des oiseaux très bruyants et utilisent de nombreux cris et chants pour communiquer entre congénères. À l'état sauvage, l'ara bleu et jaune évolue en couple au sein de groupes plus ou moins étendus. Il s'agit d'ailleurs d'un animal monogame, il gardera un seul et unique partenaire tout au long de sa vie. Cette espèce vit en couple ou en bande qui regroupe une vingtaine d'individus. Les couples restent formés à l'intérieur des bandes, même en vol. Thank you.
L'ara bleu est un animal diurne, qui passe sa journée à interagir avec ses congénères, se toiletter et se nourrir. La nuit, les membres du groupe dorment tous ensemble. Ils s'envolent lorsqu'ils ressentent le moindre danger. Le plus commun des grands aras, c'est un oiseau très populaire. Ses couleurs magnifiques le rendent très désirable. Il sera préférable de loger votre couple dans une volière de grande taille, vous les verrez ainsi voler. Toutefois, certains couples préfèrent des installations plus petites, ils s'y sentent plus en sécurité. Il vit dans une aire assez vaste d'Amérique du Sud qui comprend le Panama, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Venezuela, la Guyane, l'île de la Trinité, le Brésil, la Bolivie, le Paraguay et le nord de l'Argentine.
Le nom que porte l'ara bleu et jaune fait, bien évidemment, référence aux deux couleurs dominantes de son beau plumage. L'abdomen, le contour de la mâchoire inférieure et la face interne de la queue sont jaune d'or, tandis que le dessus est bleu turquoise. La tête est, quant à elle, bleu vert. La face est blanche et striée de noir sous l'œil. Le bec et les pattes sont noirs, et les yeux jaunes. Allez, merci d'avoir vu cette première partie de ce magnifique perroquet. Rendez-vous à la deuxième partie. À bientôt.